Téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, une belle salutation pour nous toutes. Jeudi à vendredi 29 juin 2018, Télévision nationale d'Haïti avec vous présent dans Jacques Mel, département sud-est pays. Hein. Côté président République, là, Rive Kounia, dans la localité Boisbeuf, dans le cadre d'inauguration d'un centre de formation professionnelle et technique dans Jacques Mel. Qui donc, après Trou du Nord, Ville Jacques Mel, c'est deuxième côté, président républicain Jovenel Moïse, pral inauguré un centre de formation professionnelle moderne. L'école professionnelle, ça, j'en ai dit tout à l'heure, l'est trouvée dans la localité Boisbeuf, spécialement dans la zone Lamandou pour les gens qui connaissent Jacques Mel. L'école, ça, a une capacité pour recevoir environ 1000 jeunes filles et jeunes garçons qui pralent une chance pour apprendre 30 qualités métiers. Dans cette filière, tant que textile, hôtellerie, technologie, information et communication, mécanique auto, construction mécanique et puis construction civile. Donc, je dis, c'est un gros jour tout pour les gens dans la localité. Ça. L'école, ça n'a pas seulement pour servir jeunes qui sont dans Lamandou avec Boisbeuf, mais tout, li pral de servir les gens dans la ville Jacmel, les gens dans la Kay Jacmel et plusieurs jeunes qui sont dans l'autre commune dans le département sud-est là pour venir dans l'école. Ça. Alors, bâtiment ça, à côté nous trouvons nous là, il y a 7 salles d'apprentissage. 7 salles, ils sont tout équipés avec matériel moderne qui pral aider étudiants yo fait pratique pendant formation. Centre formation professionnelle et technique Jacques Mellan, li joint financement Banque Interaméricaine de Développement pour environ 3 millions de dollars et puis Banque Caribéenne de Développement li même li acheté équipement ça yo, équipement moderne que n'a gardé sous tir quand nous talent, équipement ça yo ti moun yo pral travail, yo pral faire phase pratique là, et bien c'est équipement ça yo Banque Caribéenne de Développement financé pour environ 3 millions de dollars. Donc en tout, gain 6 millions de dollars qui investi pour rendre travail ça possible. Donc éducation, j'en nous connais c'est une dans gros priorité administration Moïse Lafontaine. D'ailleurs, il y a plusieurs autres écoles d'après information nous joignent qui pral fait dans sens ça. C'est cérémonie qui commence kounya, nous invitons tout le monde à suivre. Ma première tout le monde qui fait déplacement, en particulier son excellence le président de la République monsieur Jovenel Moïse, le président du Sénat monsieur Joseph Lambert, ainsi que tous les autres officiels, le maire de Jacques Mel, les parlementaires et le délégué départemental, les directeurs départementaux, les membres des assemblées municipaux, les associations locales, le représentant de la BID, le représentant de la BCD, les autorités policières et tout et les, le staff de l'INFP, de même que le staff de l'UCP, ainsi que toute la population de Jacques Mel qui se trouve ici présent. Je vous demande de bien vouloir vous mettre debout pour entonner l'hymne national, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez vous asseoir. On est ici au centre professionnel et technique de Jacques Mel. Comme vous pouvez le constater, c'est un bâtiment tout neuf qui a été financé par la BCD et la BID. Nous allons donc demander au père Samson de bien vouloir attirer la bénédiction du Très-Haut sur ce nouveau building. Dans ce cas, comme il n'est pas là, ce sera la directrice générale qui est aussi pasteur de dire un petit mot pour rappeler
Ah, c'est pasteur Marcelin Dieussin qui va venir pour les mots de circonstance. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez matin, vous couchez vous tard et mangez vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parole du Seigneur. Son Excellence le président de la République, c'est Jovenel Moïse. Et monsieur le président de l'Assemblée nationale, les sénateurs, les ministres, monsieur le maire, les autorités civiles religieuses. Aujourd'hui, nous allons implorer la grâce de Dieu sur ces bâtiments qui sont appelés à former les jeunes d'Haïti, parce que l'éducation intellectuelle ne suffit pas. Il faut la formation professionnelle. Le 12 janvier 2010 a ouvert une porte pour que dans le Sud-Est, nous puissions avoir de nouvelles structures. Le centre professionnel est un bâtiment nouveau. Nous devons implorer la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous demande de vous mettre debout pour implorer Dieu sur ce nouveau bâtiment. Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, Seigneur, nous te remercions pour ce bâtiment financé par les diverses organisations nationales et internationales. Nous te remercions, Seigneur, pour le président qui est venu ici pour l'inauguration de ce programme. Qu'il te plaise, ô Père, de répandre ta grâce, ta bénédiction sur ce bâtiment pour que les formations qui seront données ici puissent satisfaire au bien-être de la communauté. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu as donnée au département de bénéficier de ce centre de formation. Qu'il te plaise encore, Seigneur, de permettre à tous les jeunes qui fréquentent l'institution puissent avoir une formation adéquate pour assurer leur vie, Seigneur. Qu'il te plaise de doter le bâtiment des appareils, des instruments pour permettre à nos jeunes d'avoir une formation normale et équilibrée. Au nom de Jésus-Christ, à qui soit la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Je
Je profite de l'occasion pour remercier le président et les autorités et toutes les organisations pour leur présence ici. Mais nous souhaitons que ce bâtiment puisse fonctionner pour de bon. Ce n'est pas comme l'hôpital de Jacmel, mais que ce bâtiment puisse avoir un fonctionnement normal et avoir des structures normales pour le département. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse les locaux de ce bâtiment. Merci. Merci, pasteur. Pasteur a sauté imploré et grâce très haut sous bâtiment ça. M'a profité dit nous que l'école professionnelle Jacmel, c'est une des plus anciennes écoles professionnelles qui existait en Haïti. Elle était créée le 3 novembre 1926. Tu as gagné deux autres sœurs qui étaient créées en même temps. C'était l'école au Cap avec l'école Gonaïve. Trois écoles, pourtant, ce n'est pas eux qui étaient premiers parce que depuis sous temps la colonie, tu as gagné l'école qui vient tourner aujourd'hui à JB Damier. C'était une école de chaudonnerie qui était dans le même côté que aujourd'hui dans rue Montalet dans Port-au-Prince. Mais malheureusement, l'école ça qui était dans rue Sainte-Anne dans Jacmel est écrasé dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. C'est ainsi que nous gagnons des partenaires qui étaient décidé aider nous construire en l'autre l'école. C'est pas seulement reconstruire ancien bâtiment mais c'est construire en l'autre l'école. Monsayo, d'abord, c'est la BCD qui baille local là lui-même. Et ensuite, la BID qui baille équipement qui est dans l'école là. Équipement, yo, t'es coûté à peu près $2,400,000. Tandis que Kaila coûtait $3,800,000. M'a demandé pour nous battre un petit bravo pour BID avec BCD. Quand on nous dit l'école ça ici à Jacmel, mais l'IPAP servit seulement Jacmel, l'IPAP servit tout département sud-est là et peut-être même le grand sud. Mais il y a un monde qui est obligé d'accueillir nous ici là, pour dire nous que nous bienvenus, c'est magistrat ville là, M. Marquis Kessa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables parlementaires, Monsieur le Délégué départemental, Mesdames, Messieurs les autorités judiciaires, Madame la Directrice Générale de l'INFP, Monsieur le directeur départemental de la PNH, Mesdames, Messieurs des directions départementales, Monsieur le directeur du centre professionnel, membres de la société civile et des organisations, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chacun en sa qualité, rang, titre et grade, Mesdames, Messieurs. Fondée le 3 novembre 1926, l'école professionnelle
de Jacques Mel. Cette institution dont la devise est « nous éloigne » de trois grands mots. La nuit, le besoin et le vice avaient été détruites lors du séisme du 12 janvier 2010. Monsieur Christian Duplan, directeur de cet établissement, exprimait ses inquiétudes face à ce problème stressant et insoutenable qui risquait de perturber l'ouverture d'une nouvelle session pour l'année académique 2013-2014. En effet, le mercredi 9 décembre 2015, à la délégation du Sud-Est, en présence de plusieurs autorités, a été lancée officiellement la construction de l'école professionnelle de Jacques Mel. Il était question d'ériger une nouvelle structure de formation professionnelle qui sera construite dans le respect des normes internationales sur une superficie de 4800 km² avec 7 filières mécanique, travaux du bois, coupe, couture, pâtisserie, industrielle, plomberie, électricité, mécanique, entretien industriel. Nous voilà réunis ce vendredi 29 juin 2018 pour inaugurer ce bâtiment flambant neuf et équipé de matériel et d'un outillage technologique moderne, fruit de l'aboutissement d'un long processus initié par l'État haïtien auprès de la BID et du CDB. Cette cérémonie, qui se veut simple, mais combien importante par son symbolisme et sa signification, se déroule au moment où l'État haïtien s'implique avec la détermination du président de la République. Son Excellence, votre présence ce matin à cette inauguration, en dépit de vos nombreuses obligations, témoigne une fois de plus de votre intérêt pour la cause de l'éducation, la priorité des priorités. Car l'implantation d'écoles professionnelles de qualité traduit l'effort et la volonté de votre gouvernement à former des jeunes professionnels capables de contribuer au développement du pays. En effet, beaucoup de pédagogues abondaient dans le sens qu'Émile croit fortement que la socialisation et la formation de la jeune génération se révèlent de la responsabilité des générations adultes. Il faut dire que par ce tac, nous sommes sur le point d'accomplir notre devoir d'implanter des infrastructures éducatives adéquates, susceptibles de fournir à la société les ressources humaines qualifiées et compétentes pour survie et son développement. Mesdames, Messieurs, l'avènement de ce jour marque un tournant historique dans les champs professionnels et techniques en matière de formation des jeunes du département du Sud-Est. En fait, érigé dans les normes de la commune, le centre professionnel et technique de Jacques Mel, communément appelé École industrielle, s'inscrit d'emblée dans la liste des patrimoines culturels, touristiques et éducationnels de la cité d'Alcibiade, Pomirac, de René Depès et j'en passe.
Désormais, chers apprenants, chers professeurs, vous avez les outils nécessaires pour répondre aux exigences pédagogiques et dans une large mesure académique. Prenez grand soin de ces investissements en vue de faciliter la tâche à la postérité et à l'État. Mettez-vous aux études futures professionnelles issues des promotions à venir. Armez-vous pour se valoriser sur le marché local, national et international, car les métiers manuels sont censés être un vecteur incontournable dans tous les lieux pour affronter la vie avec fierté et compétence. Nous gagnons la meilleure école qui gagne dans le pays. Nous avons la plus belle école. Nous gagnons les meilleurs outils pour le travail. Nous gagnons aussi des bons professeurs. Mais si l'école n'a pas pris bien, les outils ne sont pas capables de servir avec rien. Nous voulons l'école qui travaille dans les 12 mois et même pendant vacances pour que l'élève qui a l'école soit capable d'apprendre des métiers. Comme ça, Haïti capable de commencer à aller vers la décentralisation réelle. Jacques Mel, ville qui a gagné premier l'école professionnelle, ville qui a gagné premier téléphone, ville qui a gagné lumière dans toute Caraïbe là, deuxième ville en Amérique, aux États-Unis, qui a gagné lumière. Ce sont seules villes aux États-Unis qui a gagné lumière avant nous. Nous disons avec le président qui l'a, tourner les yeux vers Jacques Mel. Jacques Mel, ville créative. Jacques Mel, ville touristique. Pas bien l'autre encore. Quand on parle de tourisme, on parle de Jacques Mel. Et quand on parle de Jacques Mel, on parle des gens hospitaliers. Parce que les gens de Jacques Mel, les filles sont hospitalières. Et les gens, les garçons, sont hospitaliers. À Jacques Mel, jusqu'à présent, nous avons la sécurité. Nous demandons au président de la République, fais un petit parler pour nous par rapport avec problème qui trouvait avec Grand Ravine qui empêchait touristes nous venir Jacques Mel. Si problème ça n'a pas résoudre, problème Grand Sud là nous mêler. Nous sommes certains, je vous dis, avec tout le monde qui l'a yo, et présence sans président qui l'a, ville Jacques Mel, nous demandons au président pour le faire, on l'a tourné pour nous. Bon nous deux trois camions Fatra, nous pouvons gagner bon ici. Ça fait nous très bien. Bon nous on l'odeur, l'a aidé nous. Bon des camions et n'a fait Jacques Mel salvé. Et quand Jacques Mel belle, il a parlé des magistrats oui, mais il a dit président, vous avez une bonne ville. De ce fait, comptez sur l'apport que le président va nous apporter très bientôt. Nous demandons à tous les Jacquemeliens, Jacquemeliennes de se mettre debout pour applaudir le président de la République. Président, moun sa yo campé devant l'an et qui bat main, vle di, allez retourner encore, mais tourner les yeux vers Jacques Mel. Parce que le prêt de deux pas de Jacques Mel pour cette nouvelle Haïti, pour relever Haïti au rang des nations, sans doute doit commencer par Jacques Mel. Bienvenue parmi nous. Que cet élan progressiste et éclairé de nos dirigeants soit l'objet d'une appréciation national et que cet investissement, combien louable, soit l'objet d'un sursaut généralisé pour la construction véritable d'une nouvelle société haïtienne, cramponnée sur des bases éducatives solides. Que l'éducation, l'instruction et la formation des citoyens et des citoyennes d'Haïti soient véritablement le pilier fondamental du développement de ce grand pays. Vive Haïti, vivant les métiers manuels pour un pays renouvelé.
Vive Jacmel, Soussoum Koda, que Dieu vous bénisse. Merci, M. Marquis Kessa, maire de Jacmel. Maintenant que le maire nous a ouvert les portes de Jacmel, nous allons maintenant revenir au centre professionnel de Jacmel, qui, comme vous le voyez, c'est un très beau bâtiment qui surplombe la mer et qui est appelé à de très grands jours pour l'instruction des jeunes de la région. Tout ceci n'aurait pas été possible sans les concepteurs de ce beau building. Je profite de l'occasion pour saluer la présence des firmes qui ont exécuté les travaux. C'est la firme Tram et la supervision a été exécutée par We Architect. Merci pour ce beau travail. Ce travail aussi, comme j'ai dit, a été financé par la BID. Et le représentant résident de la BID, M. Cordo Echebarria, n'est pas présent, mais il vous a envoyé un message par son délégué, M. Vladimir Mathieu. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables parlementaires, Monsieur le maire de la commune de Jacmel, Madame la directrice générale de l'Institut national de la formation professionnelle, Monsieur le représentant de la Banque caribéenne de développement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Nous avions cofinancé la construction et l'équipement de ce centre de formation professionnelle avec la Banque caribéenne de développement dans le cadre d'un programme d'éducation dont l'un des objectifs principaux a été d'améliorer l'enseignement technique et la formation professionnelle en Haïti. Les fonds alloués à la formation professionnelle dans le cadre de ce programme ont été utilisés pour financer l'élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales de formation professionnelle, le développement de programmes de formation visant à répondre à la demande des secteurs clés de l'économie haïtienne, le développement et la mise en œuvre de modèles de gestion innovants dans les centres de formation et la construction, réhabilitation, équipement de centres techniques et professionnels à travers le pays. Le coût total de la construction et l'équipement de ce centre de formation s'élève à environ 6 millions de dollars. Il comprend, en plus des bâtiments administratifs et des bâtiments de services, 8 ateliers dotés d'équipements et de matériel de travail modernes pouvant assurer que les jeunes soient mis dans les conditions d'apprentissage favorable au développement de leur potentiel. La construction de ce centre, mesdames et messieurs, répond à un besoin évident et urgent d'améliorer l'accès à la formation professionnelle en Haïti et dans ce département en particulier. En effet, les statistiques de l'INFP ont montré qu'il y a très peu de centres de formation technique qui sont accrédités dans cette région du pays. Et nous espérons que ce centre pourra être utilisé au maximum pour donner au plus de jeunes que possible l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur avenir et contribuer au développement du pays. Il faut aussi qu'on assure que ces centres que nous construisons puissent offrir une formation de qualité. La qualité de la formation devra passer nécessairement par la disponibilité de formateurs qualifiés et motivés, une gestion efficace des centres et des contenus de formation pour permettant de répondre aux défis socio-économiques du pays. À cet effet,
Dans le cadre de ce programme, nous avons aussi appuyé l'INFP dans la formation des différents formateurs, particulièrement à l'utilisation et la gestion des équipements des ateliers. Nous avions aussi aidé au développement d'un modèle de gestion qui est déjà en expérimentation dans 4 autres centres dont la construction a été financée par la BID. Ce nouveau modèle de gestion devrait permettre une gestion transparente et efficace des ressources humaines, matérielles et financières des centres et à terme doit permettre à ces centres de pouvoir fonctionner de manière autonome sous l'encadrement de l'INFP. La BID a aussi, pour adresser le problème de contenu des formations professionnelles, appuyé l'INFP dans l'élaboration de 14 programmes de formation selon l'approche par compétences. Il s'agit de programmes qui ont été développés en fonction des besoins du marché du travail haïtien et des études qui ont été réalisées sur les filières prioritaires et porteuses de croissance pour l'économie haïtienne. La formation, mesdames et messieurs, ne saurait être une fin en soi. Ça devrait être un moyen pour les jeunes d'accéder au marché du travail ou de participer d'une quelconque façon que ce soit à la dynamique de création de richesses dans le pays. En ce sens, nous avions financé commandité avec l'INFP une étude en 2017 qui a montré que 73% des diplômés de la formation professionnelle en activité ont eu des difficultés à intégrer le marché du travail. Et ceux et celles qui y sont parvenus ont confié qu'ils ont passé en moyenne 6 mois à chercher du travail avant de pouvoir accéder à leur premier emploi. Donc l'insertion des jeunes diplômés des écoles professionnelles sur le marché du travail constitue donc un vrai défi à relever pour revaloriser la formation professionnelle en Haïti. Ce défi ne peut être relevé sans une vraie implication du secteur privé dans la définition de l'offre et la demande de formation en Haïti. L'INFP, avec l'appui des partenaires, doit pouvoir faciliter cette participation et créer les conditions nécessaires pour que ce lien entre la formation professionnelle et le secteur productif de l'économie haïtienne soit constamment renforcé. Pour finir, nous tenons à remercier la Banque caribéenne de développement avec laquelle nous avions eu de très belles années de collaboration, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de l'équipe de coordination de projets de formation professionnelle qui, sous la direction de l'INFP, a consenti d'énormes efforts pour assurer que la construction de ce centre soit achevée dans un délai raisonnable. Nous remercions également les firmes de construction et de supervision qui ont pu rendre ce projet possible et nous remercions la population de Jacmel qui a pu accompagner ce processus. Merci beaucoup. La première, c'est M. Vladimir Mathieu, qui est le représentant du représentant résident et de la BID en Haïti. Et comme j'avais dit au départ, et cette construction, même la conception n'aurait pas été possible sans l'appui de pays frères. De pays frères, je voulais dire, excusez-moi. Et de pays frères. Il y a une toute petite banque qu'on appelle la Banque caribéenne de développement qui s'est attelée aussi à nous apporter son soutien. Et je crois que, je toujours dit, ce n'est pas le monde qui a un pile baou pour apprécier, mais c'est le monde dans petit ça tout petit que le gagne, lui retirer morceau pour lui encourager. Pour lui marcher avec vous. C'est ainsi que j'appelle au microphone M. Daniel Best, qui est le représentant, qui est le directeur des projets de la BID, de la BCD, excusez-moi. M. Daniel Best, s'il vous plaît. Et j'ajoute que M. Daniel Best va parler en anglais, donc il y aura une traduction. Your Excellency,
Honorable Jovenel Moïse, President of the Republic of Haiti, Mayor of Jacmel, Monsieur Maki Kessa, Madame Maggie Dussier, Director General, National Institute of Vocational Training, Monsieur Christian Duplan, Director Jacmel Vocational TVEC Center, the representative of IDB in Haiti, Monsieur Vladimir Mathieu, Master of Ceremony, Monsieur Jean-Ronald Legault, Principal, staff and students, Jacmel Vocational Training School, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the President of the Caribbean Development Bank, I have the honor and privilege as Director of Projects at CDB to join with you in this official ceremony of the inauguration of Jacmel Vocational Training School. Thank you. Thank you. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables parlementaires, plus particulièrement ceux du Sud-Est, et Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres représentés ici, au cadre de la fonction publique, Madame Maggie Diossé, directrice générale de l'INFP, Monsieur le maire, certainement, premier citoyen de la ville qui nous a si bien accueillis, représentants de la BID, représentants de la société civile, représentants des partenaires techniques et financiers, membres de la délégation de la fonction publique à Jacmel, chers élèves, chers professeurs, chers encadreurs, chers amis de Jacmel, bonjour à tous. Au nom du président de la CDB, il m'est cher aujourd'hui l'honneur et le privilège en qualité de directeur des projets de la Banque caribéenne de développement, la CDB, de me joindre à vous dans le cadre de cette cérémonie officielle d'inauguration du Centre de formation professionnelle de Jacmel. Indeed, CDB congratulates the government of the Republic of Haiti, the Ministry of National Education and Vocational Training, the National Institute of Vocational Training, and the staff of the Coordination Unit for the Vocational Training Program for this magnificent achievement. It is gratifying. It is gratifying to see the completion of phase one of this TVET Center. La CDB se félicite en effet et félicite chaleureusement le gouvernement de la République d'Haïti, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'ensemble de l'équipe qui a participé à cette magnifique réalisation. Il est en effet très gratifiant pour nous tous de voir l'achèvement de la phase 1 de ce centre de formation professionnelle. It is one of three TVET institutes for which CDB, in partnership with the Inter-American Development Bank, provided funding for construction and equipment. Ce centre de formation professionnelle de Jacmel est l'un des trois centres de formation professionnelle dans le cadre duquel la CDB, en partenariat avec la Banque interaméricaine de développement et l'État haïtien, a fourni un financement pour la construction et l'équipement. The other two, as you may be aware, are the Jérémy Vocational Training School and Cap Asian Vocational Training School. Les deux autres centres de formation professionnelle, comme vous le savez peut-être, sont celui de Jérémy et celui du Cap Haïtien. This investment complements the national strategy of the government of Haiti to provide quality skills training for youth and adults in occupational areas for sectors that are priorities for the economic competitiveness of Haiti. Ces investissements viennent en complément de la stratégie nationale du gouvernement de la République pour rendre disponibles des centres de formation et de qualification professionnelle aux jeunes
et aux adultes des deux sexes dans les domaines prioritaires pour la compétitivité d'Haïti. CDB's support for this project is rooted in our mandate to accelerate poverty reduction in the Caribbean. L'appui fourni par la CDB à ce projet découle de notre mandat d'accélération de la réduction de la pauvreté dans la Caraïbe. Further, the bank has prioritized funding for TVET, boosting the expanded supply of skilled and employable labor in our member countries in general and Haiti in particular. De plus, la CDB a priorisé le financement de centres de formation professionnelle, dynamisant ainsi une offre élargie de main-d'œuvre qualifiée, employable dans tous nos pays membres en général et en Haïti en particulier. It should also be noted that this investment is consistent with the Caribbean Community's 2030 Human Resources Development Strategy. Il faut aussi souligner que cet investissement rentre dans le cadre de la stratégie de développement des ressources humaines 2030 de la communauté de la Caraïbe. Nous parlons du CARICOM. Which places value on TVET as a pathway for unlocking human potential in our region. Qui mise sur les centres de formation professionnelle pour être des voies permettant de débloquer le potentiel humain de notre région. President, ladies and gentlemen, CDB recognizes the critical importance of providing high quality public education and training opportunities for social and economic development in our borrowing member countries. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la CDB reconnaît l'importance critique de fournir des opportunités de formation professionnelle et d'entraînement de haute qualité à travers des institutions publiques d'enseignement pour le développement social et économique de nos pays membres emprunteurs. Accordingly, here in Haiti, we are committed to supporting the government's focus on improving access to education through public institutions such as this TVET Center. Ainsi, en Haïti, aujourd'hui, nous sommes encore plus fortement engagés à appuyer les efforts du gouvernement haïtien pour l'amélioration de l'accès à l'éducation à travers des institutions d'enseignement public. Our experience in other parts of the Caribbean region indicates that the effective training and certification of youth and adults in workforce development cannot occur unless the state plays a key role in providing basic education and TVET. Notre expérience dans d'autres pays de la Caraïbe indique que la formation effective et la certification de jeunes et d'adultes dans le développement de la force de travail ne peut se concrétiser que si l'État lui-même joue un rôle clé dans la mise à disposition de programmes de formation académique de base et professionnelle. It is for this reason that in 2007, when we began discussing how CDB could invest in the education sector in Haiti, the construction of educational facilities emerged as a critical area with potential for boosting prosperity across the country. C'est pour cela qu'en 2007, quand nous avons entamé nos discussions sur la manière dont la CDB pourrait s'investir dans le secteur de l'éducation en Haïti, la construction de centres de formation professionnelle a émergé comme un domaine essentiel et porteur de potentiel de dynamiser la prospérité à travers le pays. Such institutions will provide opportunities for training, not only in the immediate future, but will also support sustained workforce development by training the next generation of skilled workers in Haiti. Ce type d'institution doit fournir et fournira des opportunités de formation non seulement pour l'avenir immédiat, mais viendra aussi en appui de la préparation continue d'une force de travail par la formation des prochaines générations de travailleurs qualifiés en Haïti. We know
that providing accessible skills training is necessary for developing a skilled and certified workforce here in the Southeast and throughout the Republic. Nous savons que fournir des programmes de formation professionnelle accessibles est essentiel pour le développement d'une force de travail qualifiée et certifiée, non seulement dans le sud-est d'Haïti, mais sur l'ensemble du territoire de la République. And we also recognize that over the years, Haiti has developed a well-established private education and training system. Nous reconnaissons aussi qu'au fil des ans, Haïti a développé un système robuste de formation scolaire et professionnelle à travers son secteur privé. A system of this type serves well those who can afford the tuition fees. Un système de ce type, nous parlons du secteur privé, répond bien aux besoins de ceux qui peuvent se permettre de payer l'écolage. But with annual fees of 80,000 to 93,000 gourdes, many persons cannot afford to enroll in the programs. Mais aujourd'hui, avec des frais de scolarité annuels qui avoisinent 80 000 jusqu'à 93 000 gourdes, beaucoup de familles ne peuvent se permettre d'inscrire leurs enfants dans des programmes pourtant essentiels pour la matérialisation de leur espoir de trouver un emploi durable et d'améliorer leurs conditions de vie. Which are critical to fulfilling their hopes for sustainable employment and improved livelihoods. Based on these considerations, CDB, as part of its current financing cycle of vocational training, continues to support the national strategy for workforce development in Haiti. En se basant sur ces considérations et dans le cadre de son cycle actuel de financement de centres de formation professionnelle, la CDB continue d'appuyer la stratégie nationale de développement de la force de travail en Haïti. Through expanding access to TVET programming that is inclusive, demand-driven and of superior quality. Par l'extension de l'accès à la programmation des centres de formation professionnelle qui se veut inclusive, axée sur la demande et de qualité supérieure. In this regard, a US $12.5 million financed project approved in 2015 is currently being implemented by the Ministry of National Education and Vocational Training and the National Institute of Vocational Training. Ainsi, un projet financé à hauteur de financement de 12,5 millions de dollars, approuvé en 2017, est actuellement en cours d'implémentation par le ministère de la Formation professionnelle et de l'Éducation nationale et par l'INFP. Through this project, the National Institute of Vocational Training will rebuild the Saint-Martin Learning Center Phase 1 at Bel Air in the heart of the greater metropolitan area of Port-au-Prince. À travers ces projets, l'INFP va reconstruire le centre d'apprentissage de Saint-Martin, phase 1, situé au Bel Air, au cœur de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Complete phase 2 of the construction of the Jacmel Vocational Training School. En deuxième lieu, achever la phase 2 de reconstruction du centre de formation professionnelle de Jacmel. Equip the auto mechanics workshop at Jacmel Vocational Training School and the CAP ACN Vocational Training School. Également équiper l'atelier de mécanique automobile du centre de formation professionnelle de Jacmel que nous inaugurons aujourd'hui, ainsi que le centre de formation professionnelle du Cap-Haïtien. Train TVET instructors and managers of the vocational training centers. Former les formateurs et les directeurs des centres de formation professionnelle. And strengthen sector governance by developing a national qualification framework and implementation of a national strategy for the increased participation of women in vocational training in Haiti. Renforcer le secteur de la gouvernance en contribuant à la création d'un cadre de qualification nationale et
implémenter une stratégie nationale pour l'accroissement de la participation des femmes et des filles à la formation professionnelle en Haïti. In addition to this, in December 2017, the bank approved a new country strategy for Haiti for the period 2017 to 2021 and allocated US $10 million to support increased demand-driven skills development, including the construction of more TVET centers and the provision of training for teachers and instructors. De plus, en décembre 2017, la CDB a approuvé une nouvelle stratégie pays pour Haïti pour la période 2017-2021 et alloué 10 millions de dollars américains au développement des formations de base, des formations basées sur la demande, incluant la construction de plus de centres de formation professionnelle pour l'entraînement des Haïtiens, c'est-à-dire les enseignants et les instructeurs. Ladies and gentlemen, I wish to reaffirm CDB's commitment to supporting the government's strategy to unlock Haiti's growth potential and build a dynamic, resilient and competitive economy. Mesdames et messieurs, je souhaite réitérer l'engagement de la CDB d'appuyer la stratégie du gouvernement pour le développement du potentiel d'Haïti et le développement d'une économie dynamique, résiliente et compétitive. Further, we look forward to the continued rollout of the national TVET strategy, which puts the focus on the delivery of effective TVET programs that are modularized, flexible, competency-based and promote adult learning. De plus, nous envisageons avec espoir la continuation du déploiement de la stratégie nationale mettant l'accent sur la mise en place de programmes efficaces, modularisés, flexibles, basés sur la compétence et promouvant l'apprentissage. I also want to take this opportunity to underscore that CDB encourages the use of prior learning assessment to certify the skills of your artisans and technicians who are phenomenally skilled but are not recognized as trained professionals. Je saisis aussi cette opportunité pour souligner que la CDB encourage l'utilisation et l'évaluation permettant de certifier les capacités de vos artisans et de vos techniciens dotés de talents phénoménaux mais qui ne sont pas reconnus comme étant des professionnels qualifiés. Certification that is externally validated further widen pathways to employment for Haitians and should be embraced. La certification validée par des autorités externes élargit plus amplement les capacités d'emploi des Haïtiens et doit être envisagé. Excellency, ladies and gentlemen, CDB endorses the vision of the Jacques Mel Vocational Training School being at the heart of the socio-economic development of the Southeast Department of Haiti and to be an open door for the years to come to secure the future for tens of thousands of young men and women for the region. Excellences, Mesdames et Messieurs, la CDB embrasse la vision du Centre de formation professionnelle de Jacques Mel comme étant au cœur même du développement socio-économique du département du Sud d'Haïti et se veut être une porte ouverte pour les années à venir vers l'amélioration d'un devenir pour des dizaines de milliers de jeunes hommes et de femmes dans cette région. We view this TVET center as a central pillar in the development of Jacques Mel, as a metropolis and regional economic hub. Nous voyons ce centre de formation professionnelle comme étant un pilier essentiel au développement de Jacques Mel, à la fois métropole du Sud-Est et comme pôle de développement régional. CDB stands ready to work with colleagues in the Ministry of National Education and Vocational Training and the National Institute of Vocational Training to make the expansion of the center a reality. La CDB se tient prête à œuvrer aux côtés de ses collègues du ministère de l'Éducation nationale
et de la formation professionnelle et de l'Institut pour la formation professionnelle pour que l'expansion de ce centre devienne une réalité. In the meantime, we look forward to the successful operation of this vocational training school in Jacmel. Entre-temps, nous espérons le plein succès de ce centre de formation professionnelle de Jacmel. And wish to assure you of the bank's ongoing support for the expansion and transformation of vocational education in Haiti. Et vous assurons de notre entier appui à l'extension et à la transformation de la formation professionnelle en Haïti. Merci beaucoup. Merci. Et n'a remercié partenaires financiers nous yo et n'a profité dit tout le monde là que sans ça c'est pas seulement partenaires financiers qui fait gagne un bon monde ici qui était campé derrière l'esprit derrière l'idée et yo té travail jour et nuit pour ouais que sans ça arriver voir le jour. Et n'a profité pour nous remercier président Sénat Petit Sud-Est qui c'est une des monde qui te travaille plus pour centre là. Un petit bravo pour sénateur Lambert. Nous gagnons sénateur Dieu Piché Rubin qui lui-même tout travaille en pile pour centre ça. Sénateur Dieu Piché Rubin. Nous gagnons un gros potorique garçon qui c'est délégué départemental là. Que aurait M. Pierre-Michel Lafontaine. Na première sié tout UCP que M. Adam qui travaille en pile pour centre ça. Et quand on nous dit dans dépliant tu as toute une vision derrière création de centre ça. Nous te reconnaître tout à tout que zone Jacques Mel la gagné à tout artistique Jacques Mel. Mais et qui fait que yo très fort dans travail bois, dans travail cuir, dans maroquinerie. Et sans ça que yo mettez tout près la mer. Les gagnent tout pour développer une série de métiers de la mer. Et yo dit tout la donne que yo pral gagner ici une section agricole